la position. On décroche. En arrière. Appuyez-vous. Ça va aller, on est là. Aidez-moi! John, dépassement! Ne perdez pas de temps, ils peuvent revenir! Embarquez-les comme ça, on les soignera dans l'hélico! Lewis, allez aider les infirmières pour porter les blessés! Avant-garde par ici! Ça traîne, dépêchez-vous un peu! Les gens. Tiens, allez, mords ça! T'inquiète pas, la libellule n'est pas loin, on va t'emmener, accroche-toi! Aide-moi à le relever. Dépêchez-vous, on ne peut pas rester plus longtemps. Allons-y, les gars, ça va. Stuart, où est l'autre trousse de médicaments que je t'avais demandé de prendre? Je suppose qu'elle est à la base. On est suffisamment attaché là-dedans. Il y avait de la morphine dans cette mallette. Alors tu peux me dire comment je le soulage? Hé, tu sais, un M16, c'est une unité de combat. Faut pas confondre avec la Croix-Rouge. J'ai été affecté ici pour le secours médical. Je dois lutter pour sauver ces hommes. Je suis pas là pour lutter contre toi. Hey, mec, prends une taf. C'est pas de la morphine, mais c'est mieux que rien.
Venez nous aider. Je sais ce que tu penses. Quelle connerie, ces missions d'évacuation. On n'a pas tué un seul Viet depuis qu'ils nous ont collé Davis. Ouais, et aucun Viet t'a tué. Tiens, tu défends Davis? Mais, j'ai envie de revoir mon pays. Si Oncle Sam veut sauver les blessés, je suis partant. Qu'est-ce qui te reste? 21 avant la terme. Et je replonge dans le monde. Je veux voir. Bon, comme tu veux. Deux paires à l'as. Ah, chiot. Je sais pourquoi je perds si souvent. T'arrêtes pas de m'envoyer ta saloperie dans le nez pour m'empêcher de me concentrer, merde. Lui, il peut jouer que quand il est défoncé. Eh gros, il distribue. Ouais. Hey. Hey, je suis à sec. Tu peux me prêter 45 Moi, je prête que dalle. Bah, prends mon cigare comme garantie. Tu sais quoi? Tu peux te le garder, ton cigare. Voilà $60 que je rajouterai aux 85 que tu me dois déjà. Tu ferais mieux de me les donner à moi. Je sens que je vais encore gagner. À quoi on joue? À cette carte. On étouffe, mec. Je déteste les courants d'air. Tex, tu veux bien l'ouvrir la fenêtre pour moi, s'il te plaît? Je vais y aller. J'adore le poker à cette carte. Bah, moi, je perds toujours à ce jeu. Et c'est pour ça que j'adore. Tu sais, je crois que ça serait mieux pour toi que tu demandes à être muté ailleurs. Parce que tu penses que si j'étais muté ailleurs, ce serait pas la même merde. Et en plus, qu'est-ce qui s'occuperait de mon pote Lee? Hey, Jimmy, tu joues ou tu causes? On te réclame, tu entends? Vas-y. Moi, ça va. Mais arrête. Et vous ramasserez les restes, les gars. Terminé. Roger. Zebra 1, est-ce que vous nous recevez? Zebra 1, vous nous recevez? À vous. Zebra 1, est-ce que vous nous recevez? On ne vous a pas localisé. On vous voit, Zebra 1. On arrive tout de suite. Tenez bon. Là-bas, je vois de la fumée violette. Et qui c'est, cela? Zebra 1, Zebra 1, votre fumée est de quelle couleur? Quelle couleur? Violette, elle est violette! Remontez! Thank you.
t'étonne pas, hein, t'étais au courant? Évidemment, t'es sûrement dans le coup, putain de merde. Mais lâche-le un peu, mec, t'es au courant de rien. Qu'est-ce que tu fais? Ils sont trop nombreux, merde, tu vas tous nous faire tuer! C'est fini, c'est fini, je te dis. C'est fini, tiens, oh, regarde là, t'as vu les jolis nichons, regarde, juste là. Tu aurais dû me réveiller. On s'en va. Oui, il n'y en a pas pour longtemps, t'en fais pas. On va y aller. Faites venir. J'en parlerai au colonel. Merci, Major. Et c'est quoi cette information si passionnante? Hé, hey, si t'essayes d'empêcher Stewart de voler à cause de ce qui s'est passé, tu te fatigues pour rien. Ce gars-là, mon pote, c'est un vrai héros. Jimmy a failli mourir tout à l'heure. Mais il est vivant. T'as pas l'air de réaliser. Non. Mais j'ai un conseil à te donner. Si tu fais des emmerdes à Stewart, je te conseille de faire gaffe. Salut. J'ai tout raconté au Major Stilwell. Et ils veulent t'interroger. Merci. J'oublierai jamais ça. Je te dois tout. Ah, n'exagère pas. Tout ce que tu me dois, c'est une montre, d'accord? Eh. Tiens. J'espérais une Rolex. Je m'en contenterai. Il va voler? Sûr qu'il va voler. Ça m'a donné du mal.
Mais il va voler. Qu'est-ce que vous en dites? Stewart est l'un de ceux qui ferait l'affaire. Major Stilwell, vous m'aviez dit que vous parleriez au colonel. Mais je l'ai fait. Que voulez-vous dire? Vous m'avez même dit que Stewart avait la gâchette facile. Il me semble qu'on vous attend. Oui, Major. Et encore une connerie! C'est toi le nouveau copilote? C'est quoi ton nom? Il parle pas aux traîtres. Comment il s'appelle? Hobbs. Oh, Hobbs! Et maintenant tu dis le prénom? Mathieu. Oh, c'est un bleu bit. Je suis arrivé hier, je viens de Fort Rocker. Ils t'ont conseillé cette coquille? J'ai promis à ma mère de voler avec. Elle s'occupe toujours comme ça de ta queue? Hé, hey, face de rat! Je te conseille de surveiller Lee. Avant, il était Viet Cong. Non, sans blague, c'en était un. Il a servi à la frontière entre le Nord et le Sud Vietnam. Pas vrai, Lee? C'est comme un caméléon, mais tout jaune. Je suis pas un Viet Cong. Terminé. Ouais, jamais plus. Ouais. T'inquiète pas, mec. Ça gaz. Tu peux pas lui lâcher les baskets, mec. Quoi? T'entretiens la conversation. Tu verras, tu t'y feras. Au bout de quelques mois. C'est sa deuxième affectation. Tu vois, transporter des missiles avant. C'est pas vrai? Si, tu le savais pas. On l'a le nucléaire, mais ils ont la trouille de s'en servir. Et avec moi, je les bousillerais au nucléaire. Et on rentrerait chez nous. Les hommes politiques, remarque, c'est pour ça que je me suis engagé. Il est passé du nucléaire au singe. Pourquoi t'as fait ça? Quoi? Joue pas au camp. T'as pas intérêt à avoir ce genre de réaction ici. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Personne ne m'en a parlé. C'est une saloperie de guerre. Et au cas où tu l'aurais pas vu, ils nous foutent une sacrée raclée. Mayday, Mayday, Silver Fox à 49er. J'ai un soldat blessé au point 32, 63 km à l'ouest et à 28 de Saigon. Code Firehawk. Je répète, code Firehawk. Dick, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, une mission secrète de merde. Silver Fox, vous me recevez? Vous êtes en train de parler au monde entier. Prenez un canal codé. À vous. Silver Fox, vous me recevez? Ils sont bien, ces gars des missions secrètes. Ils sont censés garder le silence radio. Ils cherchent à sauver leur peau, c'est peut-être ça qui les intéresse. Tu vas faire quelque chose? Ouais. Peut-être pas les autres à charger? Davis? On forme une équipe? L'oublie pas.
quelqu'un peut m'aider? C'est ton journal? Si on peut dire. Je suis dedans? Je te le souhaite pas. Faut être mort pour être dedans. À chaque fois qu'il se fait un viet, il met une croix. J'en suis à 63. J'espère arrondir à 70. T'es là depuis quand? Alors là, tu m'en demandes un peu trop. Hein. Tous ceux qui tenaient leur comptabilité sont morts maintenant. C'est comme une malédiction quand tu calcules. Tu sais, on dirait que les viettes attendent que t'arrives à la fin. Que tu sois presque rentré chez toi. Pour te tuer. Et ça les excite, ces enfoirés, de te tuer. On peut le poser une seconde? Ouais. Est-ce que tu fumes du shit? Tu veux dire de la marijuana? Laisse tomber. Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Tourne sur nos pas? Non, ils sont beaucoup trop nombreux. N'est-ce pas, Davis? T'as vraiment raison. Remets-toi, Hobbs. Combien t'en as, là? T'as réussi? 70. C'est génial! Connerie de merde! Vous fêtez ça, non? Maintenant, tu passes à la centaine, c'est ça? T'auras pas long à attendre. C'est quoi ce bordel? Merde!
Attachez-vous! Allez, ma belle, vas-y! Tiens bon, d'accord? Mayday! Ici Black! Mayday, Mayday! Écoutez, ici Blackjack, on a une panne de moteur! On est près à environ 20 000 au nord de la montagne du Tigre! Calme, c'est fini. Doucement. Vous allez bientôt rentrer chez vous. Ça va, les gars? Je crois que oui. C'est con. Qu'est-ce qu'il y a? T'occupe pas. Rien. Laisse-moi voir. Ça va, je te dis. Soulève ta chemise, Tex. Est-ce que tu peux me laisser tranquille? Hé, les gars! Je suis blessé. Je saigne. T'inquiète pas, je vais te mettre une compresse. Petit chéri. Bête. Allons repérer. Ça va? Ouais. J'essaie de voir ce qui a pu se passer. Venez, regardez aussi. Ça vient des Viettes, cherche pas. Ils nous ont pas loupés. Et qu'est-ce que... Hey! Fils de pute! Mais je l'ai vérifié avant le décollage! Mais je t'assure! Ouais, je te crois. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as trouvé? On a desserré le tuyau du carburant pour qu'on le perde au cours de vol. C'est quoi, sale colère de pied? Arrêtez! Lève-toi! Comme un putain de traître! Et arrête de faire chier avec ton défi! Arrêtez, merde! Je regarde la carte. Ça va? C'est tout. Calme-toi. Ce que je fais. Arrête de protéger, merde, c'est un traître! Qu'est-ce qui prouve ton innocence à toi? Mais merde, arrête de bouger! C'est lui! Putain! Depuis toujours, je l'ai dit! Je ne crois pas qu'il soit coupable. Il connaît rien en mécanique. Alors, tu dis que c'est moi? J'ai pas dit ça.
Écoute, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Bah voyons, on peut soupçonner Hobbs aussi. Et puis c'est peut-être tombé tout seul, non? Non. C'est du sabotage. Il faut une clé pour le dévisser. Tu l'avais vraiment resserré, t'es sûr? J'ai vérifié. Je suis presque sûr. Tiens, t'es déjà moins affirmatif. Mayday, Mayday, ici Blackjack, position 20 000 nord-ouest. Je répète. On t'a demandé quelque chose, face de rat. Je donnais notre position. Je l'ai déjà fait. Bah, t'as dit plein nord et c'est nord-ouest. Et alors, les Viettes aussi ont des radios. Si j'ai dit nord, il y a une raison, ça leur indique la zone. Si t'aimes te faire enculer par les Viettes, baisse ton pantalon. Faut se barrer d'ici. Il a raison. Quand j'étais dans l'infanterie, ça les attirait comme des mouches, ce genre d'incident. Pauvre con. Ça veut faire du zèle. Je crois qu'on devrait rester. Davis aussi aime bien se faire enculer par les Viettes. C'est ça, hein? Toi et Hobbs, vous voulez peut-être rester là? Écoute, tu sais très bien que si on part d'ici, les secours auront moins de chances de nous trouver. T'as pas l'air de sentir où est la merde, t'as la tête trop loin du cul? Ramassez votre barda, les gars. On se barre d'ici. C'est un ordre. Hé. Où penses-tu aller? Je veux aller voir mon équipe. Ils savent où te trouver. Maintenant, si tu veux monter dans cet avion et retourner chez toi, tu dois te reposer et rester tranquille. Écoutez, docteur, j'ai besoin d'un peu d'air. Et voilà. Un peu d'air. Sage. Pourquoi il est comme ça, Stewart? La seule chose qu'il branche vraiment, c'est les massacres. Il n'y a que ça qui l'excite, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce genre de connard se prend pas pour de la merde. Ouais. Remarque, ils sont tous tarés dans sa famille. Son frère a été un héros national. Son père, c'était la même chose. Il a aussi été un héros. Mais lui, pendant la Deuxième Guerre. Et Stewart a l'intention de prendre la relève. Eh oui, il veut pas trahir l'honneur de la famille. Nous tous, c'est Jimmy qui a le plus de veine dans tout ça. Alors qu'il est, il est peut-être chez lui. Ouais, bah t'as tort de l'envier comme ça. Je suis allé en permission. Eh ben, les civils, ils en ont rien à foutre de ta petite personne. Ouais, ils nous laissent tomber. Faut s'y faire. J'aime pas les insectes. C'est mignon. Hé, hey, ça n'est pas par là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le mauvais chemin. T'es vraiment sûr? Oui. Stewart! Lee dit que c'est la mauvaise direction. Pas si on retourne à la base. Non. La base est par là. Non, par là on va au Cambodge. Ce trèfle essaie de nous rouler. Regardez, on est là. On va vers la rivière. Qu'est-ce que tu manigances? Voilà les Viettes! Voilà les Viettes! À couvert, dispersez-vous!
Qu'est-ce qui a fait du bruit? C'était un accident. Viens avec moi. Pourquoi? T'es bien l'éclaireur? Vas-y. Je viens avec vous. Ah, mais on revient. Hop. Couvre l'arrière. Personne n'a demandé l'aide d'un médecin? Enfin, pas tout de suite. Ça te fait rigoler, toi, que tout soit foutu, hein? T'as un drôle d'humour. Écoute, je déteste cette situation. Courons-leur après. On a hâte de rester ici. Stewart a perdu la tête. C'est toi qui déconnes. Et la radio, c'était quoi, ce bordel? Il a peut-être besoin de repos depuis le temps. Le seul problème ici, c'est Lee. C'est bien toi qui as dit que Lee connaissait rien en mécanique? Rien du tout. Il le fait croire. Ça fait partie de son plan. Et ça fait partie de son plan de rester à l'arrière et de se faire tuer par les Viettes? Il espérait pouvoir les retrouver. Peut-être qu'entre eux, c'était une mise au point. C'est sûr. Oui, il a saboté l'hélico et il a essayé de rester seul sur place. Et tu crois ça? Ouais. Il s'est trompé sur le chemin à prendre. À moins que ce ne soit Stewart. On est assez loin. Tu fumes? Non. Stop! C'est gentil. Reste là, arrête! Tu restes là, je te laisserai pas passer, je t'ai... Alors, tu vas me tuer! Enfin, on fait juste... Allez, te gêne pas! Tire sur moi! Approcher de ta tombe! Je vous l'avais dit qu'on allait revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trompé en lisant la carte. C'est moi qui le ferai, maintenant. Lee, donne les cartes, je les prends. Du calme. Ben alors? Attends, je vais te donner un petit coup de main. J'ai l'impression de patauger dans la merde. Tiens, c'est quoi ça? Ça se fait pas à moi. Ça sent le carburant. Ça n'est pas à moi. C'est pas à moi.
que vous... Je vais lui casser la gueule. Ça n'est pas à moi. Il faut me croire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce que ça faisait ici? Ça n'est pas à moi. Dis-moi ce que ça faisait là. Croyez-moi, s'il vous plaît. Tu vas mourir, fumier, c'est ça que tu peux croire. Tu vas... Assez. Ça va. Assez. Faut pas rester ici. Lee, ouvre la marche. C'est d'accord. Je fais ce que tu veux. Ouais. Lex, prends son fusil et planque le cadavre. Pourquoi? Crois-moi, il fallait le faire. Ce que je crois, c'est que tu voulais tuer cet homme et tu l'as fait de sang-froid. Quand est-ce que tu vas l'empêcher de dire des conneries? Il a voulu te faire passer pour un dingue, déjà. Il y a une arme supplémentaire disponible. T'as qu'à t'en servir. On arme et on tire. Qu'est-ce qu'il y a? Je sens les piégés partout. Quel œil! Lieutenant, votre avion est prêt. Merci. Hey, Jimmy, tu feras un petit câlin pour moi à ta gonzesse, hein? Et un petit pour moi aussi. Arrêtez, vous allez vous faire du mal, les gars. Va te faire foutre. Hé, hey, Tony. Tu diras au revoir à Davis pour moi. Si je revois Davis, il est pas rentré. Pourquoi personne ne m'a prévenu que mon équipe n'était pas rentrée à la base? Il me semblait que ton principal souci était de te barrer de cet endroit. Aller chercher. Je n'ai pas d'équipe pour ça. Mais c'est pas vrai. Lieutenant, on vous attend. Qu'est-ce qu'il y a? T'as honte? Je vais pouvoir te rassurer. Et puisque t'as pris la peine de venir, nous allons nous y mettre tout de suite. Toi, tu rentres tranquillement chez toi et t'en profites. On est sauvé! C'est pas les secours, espèce de con! Thank you.
merde. Ils nous encerclaient, ces enculés. Il m'a arraché la bite. Il m'a arraché la bite avec son putain de flingue. Oh putain de saloperie, merde, putain de con de merde. Hobbs, Hobbs, arrête, ça t'a juste écorché la jambe. C'est pas la peine de mentir. Écoute, touche toi-même, vas-y, là. Arrête de pleurer sur ta bite, à quoi elle te servait, de toute façon. Ferme-la. C'est vrai. C'est pas vraiment facile, hein, de baiser pendant la guerre. Oh, merde. Pourquoi tu me laisses pas regarder ça? Mais j'ai rien. Eh ben alors soulève ta chemise. Arrête de jouer les Saint-Bernard avec moi. Regarde. Y a rien. Tu veux pas que je te touche, d'accord? Je le ferai pas. Mais fous un pansement là-dessus. Pourquoi ils nous abandonnent? Ça pue le Viet à 10 mètres ici. Je suis sûr qu'ils sont planqués partout. On va pas s'en tirer, hein. Mais si, panique pas. Comment elle s'appelle? Shanna. C'est sérieux? Ça l'était. Elle a cassé à ma dernière perle. Alors pourquoi tu gardes la photo, hein? J'espère qu'elle me portera bonheur quand même. Je crois que je le sais. Pourquoi personne ne nous cherche? Hey, Davis. Tu te rappelles de l'appel de détresse qu'on a reçu? L'avion qui s'est crashé. Ouais. Ben, il est tombé pas loin d'ici. Il s'appelait Fire quelque chose. Il était en mission secrète. Et alors? Alors, face de rat, l'armée va tout faire pour le trouver bien avant le nôtre. Mais on est là. Exactement où il cherche. Vous pouvez pas décoller. Pourquoi, Major? La zone où votre équipe est tombée a été passée au napalm. Je croyais qu'on ignorait où ils étaient. Tout ce que je sais, c'est que la zone a été passée au napalm. On les a pas recherchés à cause de ça. Ils sont sûrement tous morts maintenant. Je peux partir quand? Quand ça sera nettoyé. Mais j'ai peur que Norm ait raison. Qu'est-ce que t'as? La rivière. On peut traverser par les rochers. C'est pas ça dont je parle. Lee a dit que le mauvais chemin nous conduisait à une rivière. Tu crois qu'il n'y a qu'une seule rivière, Davis? Eh, je vais vous en raconter une bien bonne. Davis ignorait qu'il y avait plusieurs rivières au Vietnam. Non, mais Stewart peut se tromper en lisant la carte. Écoute, quand j'étais copilote, tout ce que je faisais, c'était lire les cartes. La base est plein est.
En espérant avoir un peu de chance, l'avion est tombé au nord-est. Mais c'est pas en restant ici à dire des conneries qu'on a une chance de le trouver, d'accord? Mauvais chemin, hein? J'en sais rien, mon gars. Yahoo! J'espérais tellement être comme ça. Je crois pas que tu le veuilles. Ne plus trembler de trouille tout le temps, tu vois? Continue d'avoir peur, d'accord? Au moins tu possèdes quelque chose ici, et aussi là. Tu te raccroches à ce que tu ressens. Regarde, Tex, il ressent rien du tout. Yahoo! Vous venez! Vous voulez bouger, mon biche? Quelque chose qui cloche? Il y a intérêt à pas s'endormir, c'est plein de marécages par ici. On va au nord? Ouais. C'est là qu'il est tombé. Plein nord. Tu peux me prêter la carte? Je l'ai rangée. J'ai pas envie de nous faire crever. Suivez-moi. Restez où vous êtes. T'as entendu? Tu restes là. Si vous voulez vivre, suivez-moi. Foutu déserteur. Thank you.
Fais gaffe aux chimines. Pas dégueulasse ton plan d'attaque. Allez, Davis. Va te falloir un autre bouquin pour tes nouveaux morts. Qui t'a appris ça? C'est moi. J'ai essayé une fois avant. Ça avait pas marché. Merde alors. Vous êtes une bande d'abrutis, vous faites chier. Et toi, t'as un problème? Il marche plus, ton flingue? Davis, amène-toi. Termine le boulot. Tue-le. Mais pourquoi? Si tu le tues pas, c'est lui qui te tuera. Ouais, eh bien j'en prends le risque. J'ai dit tue-le. Bon ben alors je le fais. J'ai donné un ordre. Obéis-moi. Tout de suite. Je t'ai ordonné quelque chose, Toubib. Oui, j'ai entendu. Faire un rapport sur toi quand on sera de retour. Sur toi et Davis. Du calme, mec. On est cinq sur le coup. À part mec, tu sais dire quoi? Hobbs, tu prends le commandement. Bah, où tu vas? Ouvrir la marche. Voir ce qui se passe. Toi, tu commandes. D'accord. Mec. Roger, Cushman. Voilà, ça y est. C'est nettoyé? Je n'ai aucune équipe disponible pour le moment. J'irai tout seul, alors. Si vous faites ça, il y en a beaucoup qui vont chier de trouille dans leur froc, ici. Eh bien, vous ferez nettoyer avant mon retour. Qu'est-ce que je dis? Donnez-moi ça. Contrôle à Stryker 1. Répondez, Stryker 1. La zone est nettoyée, Major. Je ne comprends rien. Oui, en effet. Rien du tout. Stryker 1. Rejoignez la base. Tout de suite, compris? Je répète, rejoignez la base. Écoute-moi, petit con. Je sais très bien que tu m'écoutes en ce moment, alors... Tu fais un demi-tour. Ou alors je m'arrange pour que tu ne rentres plus chez toi comme prévu. Et ça pourrait durer très très longtemps. T'as compris, petit con? Il m'écoutera jamais. C'est toi le commandant en second. Et moi j'ai pas envie de faire ça. Il faut que ce soit fait, mec. Et tu es le seul qui puisse le faire. Vas-y. Vous croyez que Hobbs assurait la relève? C'est-à-dire, je... Tu fais partie de cette mutinerie? Non.
Merde, je fais partie d'aucune mutinerie. Bien. Alors il n'en reste juste que deux. Curieux, ça me surprend pas. Le partisan de la paix. Et notre drogué. Alors, Bates, pourquoi on raconterait pas la vraie raison pour laquelle t'es plus dans l'infanterie? Son sergent a voulu qu'il se casse. Parce qu'il a fait électrocuter un mec. Dis-le, Bates. T'en fumes combien de tes merdes? Pour être naze à ce point-là. Thank you.
Viet. Où est Bates? Il y en a poursuivi un. Là, il faut faire quelque chose. Stewart est devenu fou, je l'ai vu tuer Bates. Aïe! Vous connaissez le docteur Lightman? Calmez-vous, Jimmy. Calmez-vous. Le docteur dit que vous avez besoin de repos. Et je crois qu'il a raison. Votre équipe était sur une mission importante et vous avez failli tout foutre par terre. Vous avez besoin d'un très long repos, Jimmy. C'est un ordre. Des trucs bizarres, j'en suis persuadé. T'as rien vu. Moi, à ta place, je la bouclerai. Tu t'avais vu sa tête. Il en avait rien à foutre, je t'assure. Quand j'avais 9 ans, j'étais avec ma sœur un jour, on se baladait dans le quartier blanc. Il y a eu ces deux mecs. Je sais pas d'où ils sortaient. Ils l'ont violé. Tour de rôle pendant des heures. Et je ne pouvais rien contre eux. T'as su qui c'était? Ouais. La police. Et pendant qu'il l'a violé et que j'étais assis, je voyais leur tête. Rien. Il n'avait aucune expression. Il en était à 80. Il devait être content. C'était un nombre pair. C'est pas assez. Foutu Viet, nous avalons vivant. Stewart, tu crois qu'on va perdre? Il faudrait un miracle pour retourner la situation. Ne me dis pas que t'y crois? Si, j'y crois. Je me vois déjà dans mes pantoufles. Tu serais prêt à faire quelque chose? Pour gagner, je veux dire. Tu le ferais? Mon Dieu, oui. Même si ça doit te coûter la vie. Je crois que oui. Si on trouve cet avion, t'en auras l'occasion. Hein? Notre miracle. Il est à bord. Mais de quoi tu parles? Code Firehawk. Le code que le pilote nous a donné avant de s'écraser. C'est nucléaire. Cet appareil contient une putain d'ogive. Et elle a pas explosé en s'écrasant? Non, c'est tout de son réglé pour que ça n'explose pas. Moi, je sais les faire éclater. Il faut deux mecs. Toi et moi. Imagine qu'on arrive à faire exploser un missile nucléaire. Le président va enfin être obligé de se battre comme il aurait fallu qu'il le fasse depuis le début. Nucléaire! Qu'est-ce que t'en dis? Si toi et moi, on faisait ce que ces enculés auraient dû faire depuis longtemps... on gagnerait.
qu'est-ce qu'il fabrique ? Hé ! T'es constipé ou quoi ? Davis ? Faut que je te parle. L'avion qu'on veut trouver. Eh, t'es trop loin. Il faut rester à portée de bois. Faut se répartir, les gars. Davis, ouvre la marche. Est-ce que par hasard le partisan de la paix voudrait se battre, enfin ? Mais ce n'était qu'un caprice. Et ça, ça ne suffit pas. Non ! Non, laisse-le, on l'abandonne aux Viettes. Je vais prendre l'Orlais à partir de maintenant. Non mais... Hey, je suis sérieux. Je vous relève de vos fonctions, lieutenant. Thank you.
Salut les gars. Balancez-vous. J'étais sûr qu'un jour il m'arriverait une merde pareille. Hobbs, ferme-la, s'il te plaît. Ah, oh, génial! Levez les panards, tu fais vraiment chier, hein. Mais je vois rien dans le noir. Arrête de déconner. On joue pas à chat, lève-toi ou je t'abandonne. J'ai dit debout. Bien. Tosekai. Tobai. Bai Ventu. Dis-le. Tobai. Bouvaïou. Qu'est-ce que c'est? Des petits sourires. C'est rien, ces connards. Le gros plein de soupe, là, c'est sûrement l'expert. Non. Le soupe est interprète. L'ogive est amorcée? Non. Il est en œil. Il veut qu'on lui montre comment l'armer. Il y a un déclencheur juste en dessous. Mais fais pas ça, vieux! Tu rigoles, on va être des héros. Oh merde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Bailer! Wang Tuya! Dom Tetitin! Bao Dawanin! Dang O Tung Tai! Hong Hua! Dong Lam Tai! Nai Bekong Tak Boy Kante! Kieton! Kato Hai! Ho! Nai Bekong Kukia Kapanko! J'en ai assez! Je veux sortir d'ici! Et vite! Je vais m'envoler! Il devient fou, il veut tout casser! Je veux tout casser, oui! Hein? Bon, casser tout!
ils sont partout. Je les ai vus. Ils sont là, derrière, je les ai vus. Non, je les aurai. Je suis pas fou. Je sais qu'ils sont derrière. Faut appeler le docteur. Alors. Du calme, tranquille. La seule chose que je peux faire pour te soulager, c'est de desserrer un peu le bandage. Je vais te l'arranger. Davis ? Ouais. Merci. De rien. Ce que j'espère, c'est que ça valait le coup. Ils ont le missile ? Il n'était pas nucléaire. Ils l'ont truqué avec des explosifs. S'ils déconnent avec, ça pète. Quoi ? Alors c'était un piège ? Contre eux. Ce serait vous, je plierais, les gars. C'est le moment de retrouver la foi. Pourquoi t'as menti ? Parce qu'il ment depuis le début. Quand il a eu l'appel de détresse, c'est lui qui a saboté ce putain de tuyau. Ça, non. Enfin, je veux dire, c'était pas nécessaire. La seule chose que t'as faite, c'est réduire l'arrivée des gaz. Et t'as atterri où tu voulais. Bah, tu déconnes, le tuyau a été détaché, abruti. Oui, après qu'on se soit écrasé, abruti. Stuart, t'as atterri volontairement? Mais ça, on s'en fout complètement. Il a planqué la clé sur Lee et il a tué Bates. C'est vrai. Eh ben, dis-lui! Voilà un connard qui croit qu'il peut finir la guerre tout seul en appuyant sur un bouton. Dis-le! J'attends l'explication. Alors ça vient, oui ou merde ? Ouais, ça va, ça va. On essaye de démolir un dépôt de munitions nord-vietnam. Si on réussit, on empêche l'entrée des Viet au sud. Ça serait un joli coup, riche en conséquences. On a donc balancé un avion avec une fausse ogive à bord. Gros appât pour accéder à ce dépôt de munitions. On a piégé le détonateur, alors dès qu'ils vont le tripoter... Et mon équipe ? Ça faisait partie de l'appât. Si un avion avec une ogive s'écrase, on est obligé d'aller à sa recherche. Quelle horreur ! C'est un assassinat. Ils n'ont jamais été volontaires pour cette mission. Qui l'aurait été ? Stuart transportait des missiles avant, alors on a simulé un appel de détresse venant du Nord-Vietnam. En pensant que si Stuart y croyait, ce serait encore mieux. Encore un atout. Vous voulez arrêter ça ? Si vous décollez, je ferai tout pour vous faire atterrir. Arrêtez de vous entêter. Major ? Il y a un changement ? Vous pouvez le dire.
espérez vous en tirer, vous allez droit au tribunal militaire. À moins que ce soit vous. Besoin d'une assistance technique. Je veux qu'ils partent. Relâchez-les. Et je vous aide. Non, je crois pas que ce soit possible. Alors j'aide pas. Attendez. Quoi vos cloques, Pandoila? Qu'est-ce que tu mijotes? Je crois pas qu'ils vont nous laisser partir comme ça. Non. Mais tu vas t'en charger. T'as vu la jolie bicoque, là? Bien située, hein? Ouais, c'est coquet. Hop, sois pas raciste, fais-leur un signe. Salut, les enculés! Hé, hey, salut, les cons! Joli pot de chambre, hein? Sur le fil rouge. Mais l'île est contre à quoi? Non, l'autre. Bon, ballon. C'est ça. Et il n'y a plus qu'à tirer. Voilà. Bon, ouais, on l'autre.
Mais... connard. C'est une longue histoire.